Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne en ce jeudi de l'Ascension. Bon ben voilà, ce matin, il est environ 8 heures. J'ai pensé bon retenter une session de carpe ici en rivière. Bon, la dernière fois, bien sûr, je me suis fait exploser les lignes. Bon, d'ailleurs, sur la ligne que j'utilise au leurre soupe que j'avais montée au maïs, bah, celle-là. Elle n'a pas résisté longtemps, ou même des décroches. On verra bien. Il y a un peu de soleil. Ciel. Voilà quoi. Ça ne devrait pas être mauvais. Les niveaux d'eau sont à peu près stables. Là. Ils sont bien. Allez. Je mets les lignes à l'eau. Et on est parti en espérant que ça parte. Bon, bah écoutez, hein, forcément, depuis le temps, j'ai trop envie d'en voir. Voilà. Un beau trou là. Donc, un peu de nénuphar. Ça ne doit pas être mauvais. Ailleurs, je n'ai eu aucune touche, aucun départ. Puis là, bon, bah, j'ai décidé ma petite ligne au leurre, j'ai la montée. Comme avant, avec un ver de terre sur le fond, on verra bien. On voit pas de mouvement de poisson non plus. Bon, j'ai tapé quelques coups de leurre tout à l'heure, hein, un peu là dans le coin. Rien, 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 rien. Ce qui me semble bizarre, puisque ben, durant février et même mars, on piquait de la perche en pêchant la ligne au ver de terre. Donc là, je ne comprends pas. Au leurre, pas une perche. La météo qui veut ça aussi, hein, puisque ben, là c'est le vent du nord, hein, nord-est, et ça c'est pas trop top non plus pour la pêche. Je pense que on va bien voir. Eh ben vous voyez les amis, regardez, et au ver de terre, c'est pas une carpe. Une énorme brème carpée. Waouh. Bon là c'est un peu haut. Et c'est bien sûr parti sur la ligne fine. Allez, je vais prendre l'épuisette qui se trouve là, derrière moi. Ah, elle est partie comme une balle. Vers de terre. Ce sera pas bredouille. Hein. Voilà. Ah, nickel. Voilà. Allez. Je vais mettre ça sur la berge. Magnifique poisson. Voilà. Regardez ça. N'est-ce pas joli ça? Je vais la mesurer. Tourner puis être dans le bon sens. Bien sûr.
que le fil passe derrière les ouïes, ça c'est, j'aime pas ça. Ouais. 56 cm. Bon, c'est déjà joli, hein. 56 cm. C'est pas une carpe, mais c'est déjà ça. Allez. Décroche la mémère, on la remet à l'eau. Allez, on va poser là. Voilà, et elle est repartie. Bon, bah voilà, hein, les amis, hein, l'approche midi, je vais me remballer, je vais vous laisser. De plus, bon, bah là, il y a le vent qui monte. Bon, le ciel du soleil est dégagé, enfin, presque. C'est le vent du nord, nord-est, donc forcément pas très bon pour la pêche. Et puis bon, bah, je vais me rentrer, je vais me préparer pour une prochaine session. Bon, néanmoins là je ne suis pas bredou, j'ai quand même fait une brème carpée. Bon, c'est pas forcément non plus le poisson que j'attendais, quoi. La carpe en ce moment elle boude, c'est vrai que n'ai pas eu un seul démarrage, que ce soit au maïs, pelé, même à la bouillette, j'ai essayé tout à l'heure, la petite bouillette, rien. Ça veut rien savoir. Bon ben voilà, il y a des jours comme ça. Hein. Bon, nous sommes en rivière et les températures le matin, elles sont assez fraîches. Hein. Là, ça a descendu aux alentours de 4 degrés quand même ce matin. Et je vais me rentrer et j'allais vous dire que ben je prépare une session pêche à la carpe, voilà, à 12h en étang avec mon fils ce week-end. Donc il m'a lancé ce défi, bon ben je ne peux pas lui refuser, hein, de faire une session carpe donc à la journée, 12h. En étant, on verra bien. Qui plus est, pendant ce temps-là, j'essaierai peut-être de vous faire un direct via mon portable. On verra comment ça se passe. Bon, forcément, je ferai une vidéo, je vous publierai, ainsi que bon, ben, tout ce qui sera sorti, belle prise en carpe. Nous serons à deux, on pourra prendre de super belles photos. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. On se dit à bientôt les amis, au bord de l'eau. Là, moi, je me remballe et comme je vous ai dit, je vais préparer pour ce week-end un 12h à carpe avec mon fils. Voilà. Allez, ciao, salut à tous.